ça y est, le coup d'envoi est donné par Monsieur Riza. Un coup de pied de suite très très loin et un léger cafouillage dans l'embut. Mais Monsieur Driza, fort justement, je pense, a dit de jouer car le ballon est allé en arrière. C'est un coup de pied qui se joue vite et trop vite pour mettre en place le système défensif. Un jeu au pied de gauche qui va être très bon. Qui est très bon, effectivement. Un petit beau. Pareil, mais voilà. Pour le cerf, c'est pas mal. Attention avec cette attaque des Catalans, Sigismo. Un bel essai. Après le mettre de coup. Et puis là, ils ont effectivement bénéficié de ce bon ballon là de Miloudi pour ensuite Sigismo qui est allé aplatir le premier essai de la rencontre qui débloque donc les compteurs après 10 minutes de jeu. 4-0. C'est malgré tout sur du 2 contre 2. On va expliquer tout ça pour voir ce qui a été mis en place ici et qui produit ses fruits puisque cette équipe d'élite en fait de Saint-Estève est la réserve des Dragons. Avec le U19 d'ailleurs. Voilà, il y a toute une organisation, c'est les personnes qui sont plus jeunes bien sûr dans U19. Attention quand même à cette attaque à la Miloudi qui peut donner un bon ballon à Amber, oui, qui va en profiter. Deuxième essai catalan. Là encore, c'est le genre de réalisme de la part des Catalans. Ah, du réalisme, un essai en bout de ligne sur le côté gauche, un essai surtout sur ces ballons ou sur cinquième tenue, sur du jeu au pied. Les consignes sont plutôt, si on n'est pas sûr d'attraper le ballon, de le laisser rebondir, ce qui peut... Jouffrer la belle percée. Excellente prise d'intervalle. Et ça s'appelle un essai. Surprenant comme qui passe facilement. Beaucoup de lucidité, mais je pensais un petit peu moins, mais bon, quand on lève la tête et que la défense est placée, voilà. Oui, là c'est clairement, il y a même trop comme vous, il l'a vu. Un ballon qui est en possession de Rieux, un peu relâché. Je suis pas sûr. D'accord, je connais bien. Pourquoi comment tu contre bien. Je connais bien d'ailleurs un peu. Non, moi c'est juste un petit avis. Parce moi, je suis de l'avis de Monsieur Driza. Parce que je sais que Tayonpo cherche à sortir beaucoup de ballons. Regardez, attention, Soberas là, qui n'était pas très très loin, mais qui a été projeté en touche. Ouais, les impacts, il est très souvent aussi en capacité de sortir le ballon, de libérer ce qu'on appelle le offload. Attention là, les Stéphanois qui ont déjà marqué tout à l'heure, comme ça, avec ce même Sigismo qui s'arrache, mais certainement il est passé en touche. Oui. Il est passé en touche, ça a été... S'il ne devait pas rester beaucoup de place sur la touche, bon là il a resté pas beaucoup. Si oui, là il a mis un pied de la touche à jouer, hein, à 10 mètres. Voilà, c'est le moment. Pour eux, juste avant la mi-temps, c'est le bienvenu, 34 minutes bientôt, toujours 16-0. Attention, ce ballon qui va être intercepté là. C'était le moment. Arraché, ce fut le moment. Stan Robin qui essaye de se faire la main tout seul, repris par Soudéras. Les Carcassonnes qui se doivent rester dans le match, d'ouvrir le score en la mi-temps là, pour essayer de jeter un peu le trouble dans la tête des Stéphanois qui sont bien en place pour l'instant. Ouais. Towers avec ses appuis énormes qui va aller à l'essai sous les poteaux. Voilà. Vous en aviez parlé, hein, qu'il aimait bien les appuis sur terrain sec. Un peu tout seul comme on dit, hein, cet essai. Il a fait comme je vous disais tout à l'heure, il a vu le trou, il s'est mis dedans. Et il est allé au fond après avec la 4 mètres là maintenant de la ligne catalane, peut-être le second essai Carcassonne, il échappe un peu à la guillotine, là, je sais que sur ce coup-là, il se débarrasse du ballon. Attention pour les Catalans qui plaquent pas bien. Essai. Et ça va laisser pour Samson qui va marquer le deuxième essai. Une bonne partie de cette première mi-temps de Saint-Estève 13 Catalan. Bon, elle est en train de s'étioler un petit peu. Et... Voilà, après, les Carcassonne toujours vigilants, mais qui subissent là, c'est compliqué. Robin. Ils ne sont pas trop perturbés dans leur organisation de ligne. Ils sont plutôt en train de gagner du terrain. Bah oui, là, ils ont reculé de 20 bons mètres, les Catalans. Les Catalans semblent plus à l'aise quand ils sont à 20-30 mètres de la ligne que sur les 5 mètres, Miloudi. Amber qui marque toute la défense et qui donne un bon ballon là. Excellent. Pour Buche. Il va marquer. C'est vous aviez raison, ils vont aller très vite, ils sont arrivés près de la ligne. Allez, ce n'est que partie remise. Là, il faut pour les Carcassonnais bien défendre, faire en sorte que la récupération de balles se fasse
le plus loin possible dans le camp des Catalans. Ils sont sur leurs 40 mètres. Attention, on est bien prendre de la vitesse. Et la preuve, hein, avec cette percée de Stan Robin qui a l'embarras du choix. Sigismond pour son deuxième essai peut-être personnel aujourd'hui. Oui, voilà. Et il a hésité quand même hein, à se relever, à se rapprocher peut-être des poteaux. 22 mètres à parcourir pour le Carcassonnet pour ne pas décrocher de ce match. Allez. Donc là, pour eux, il faut marquer, mais surtout pas prendre un contre comme tout à l'heure. Et des Stéphanois très très vigilants, très bien dans leur match hein, depuis le début. Même finalement, quand on regarde, il y a eu que 3 minutes à la fin de la première mi-temps. Oui. Ça a été compliqué. Attention à cette série de passes. Et oui, bel essai. Oh. Sans problème. Très très, très jolie série de passes. Ouais. Hein. Ils ont le temps d'essayer de prendre en défaut cette défense carcassonnaise, puisqu'ils en sont là à partir de maintenant. Deuxième. On préfère écarter. Lambert qui a déjà marqué un essai et qui marque son deuxième essai personnel. Là, on se dit des choses côté Carcassonnet parce que la défense. On a failli la voir sur la touche. L'image est écrasée. Ouf, Lambert, il a vraiment du petit. Il y a intérêt. On vérifiera un petit. Allez, ça continue pour les Stéphanois. Qui sentent un peu la victoire là, mais les Carcassonnet aussi, baissent un peu peut-être. Ils ont pris un coup derrière la tête là, avec ce dernier essai tout à l'heure. Midi qui nous fait un petit numéro là, qui s'échappe tout seul. Il recentre pour Bernon, me semble-t-il, et qui fait son triplé. Voilà. Ouais, beaucoup de joueurs. Qui n'a pas pu jouer cette fois puisqu'il était 18e hier soir contre Leeds. Et voilà donc ce score. Du Briska. Ça fait gagner du temps, surtout qu'il reste 5 secondes là. Donc, ah oui. On comprend bien qu'il ne va pas prendre le risque à 5 secondes de la fin. Et une victoire, hein, on peut le dire, une victoire méritée des Stéphanois. Qui, pour le panache, nous en font une petite dernière là. Avec un sprint, à mon avis, il va au bout parce que vraiment, on l'a devant nous. Il a fait un magnifique parcours, un magnifique sprint pour aller aplatir Windy Mouche.